Laïcité. Donc bonjour à tous, nous allons vous parler de notre problématique qu'on a choisie pour débattre de la laïcité, qui est comment pourrions-nous faire pour améliorer le vivre ensemble dans notre établissement. Donc nous avons pensé justement à faire un débat entre élèves qui pourront parler du sujet de la laïcité, d'un sujet qui leur est propre. Nous avons pensé à notre salle qu'on a dans notre lycée, qui est la salle D66, qui est une grande salle avec une scène et un micro, où les élèves pourraient passer et débattre entre eux du sujet qu'ils ont choisi. Donc pour ça, nous avons tout le matériel. Nous avons Madame Audouin, notre référente laïcité, qui pourrait animer justement ces animations qu'on pourrait mettre en place. Nous avons aussi pensé à faire venir des personnes pour qu'ils nous parlent, des journalistes et des avocats qui viennent pour nous parler des droits qu'on a sur la laïcité, et en quoi elle consiste vraiment dans un établissement et comment nous pouvons faire pour justement la mettre en place dans notre établissement. Exactement. L'année dernière, nous avions fait venir des acteurs qui nous avaient joué plusieurs scènes sur le harcèlement, parce que c'était le thème de cette journée-là. Et donc ils jouaient une scène et à un moment, ils nous disaient « Toi, tu vas venir rejouer la scène en donnant ton point de vue, ton avis, dire ce que tu aurais dit à sa place, etc. » Donc c'était nous les acteurs et ils nous faisaient participer comme ça à une activité. Voilà. Une activité qui nous a beaucoup aidés parce qu'on vivait ce moment, on jouait avec eux et ça nous mettait à la place, par exemple, des personnes qui étaient mal et comment on pouvait aider nos amis. Et si on arrive à refaire cette animation sur la laïcité, les gens viendraient et apprendraient beaucoup mieux qu'en venant dans les salles pour leur expliquer. Là, ils vivraient la chose par eux-mêmes. Exactement. En 180 secondes.